Chers frères, je vous salue dans le nom de notre sauveur Jésus-Christ. Chers sœurs aussi, Amen. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons prier pour la parole. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce privilège que tu nous donnes d'être dans ta présence. Seigneur, merci aussi pour ta parole que nous allons annoncer, Seigneur. Oh, merci de ce que... Ô oh, ton action, eh, Seigneur, ta présence, ô oh, Seigneur Dieu, on ferons que oh, cette parole pourra faire du bien eh, à tous ceux qui vont l'entendre, que ce soit ici ou ailleurs. Seigneur, merci parce que tu fais toutes choses par ta parole. Et ta parole ne retourne pas à toi sans effet. Et c'est pourquoi je crois que, Seigneur, ô oh, notre Dieu, tu vas te glorifier ce matin. À travers ta parole et que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et le titre de mon message est Il faut toujours garder espoir malgré les, espoirs, les, les épreuves. Il faut toujours garder espoir malgré les épreuves de la vie. Alléluia. Chers frères et sœurs, et certainement vous que nous écoutez chez vous, il est important que nous gardions espoir. Malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer, malgré les épreuves, malgré les défis qui peuvent se présenter devant nous comme des montagnes, Jésus nous a promis d'être toujours avec nous, de ne jamais nous abandonner. Et d'ailleurs, par rapport aux épreuves, il a dit dans Jean chapitre 16, verset 33, vous ne verrez pas ça à l'écran, il a dit... Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Ça, c'est Jésus qui le dit. Alléluia. La vie chrétienne est une vie qui est bien souvent caractérisée par les épreuves, les difficultés. Mais c'est au travers des épreuves que Dieu se manifeste. Dans nos vies, Dieu permet qu'il y ait des épreuves pour tester aussi notre foi. Alléluia. Donc, euh, les épreuves sont quelquefois les bienvenues parce que c'est au travers des épreuves qu'on voit la puissante main de Dieu agir dans nos vies. Et nous allons voir euh, dans le cas de Abraham et de Sarah, d'une part et d'autre part dans le cas de Zacharie et de Élisabeth, et puis dans le cas de Marie et de Ma, qui étaient des croyants des serviteurs des servants de Dieu mais les épreuves ne les ont pas épargnés les difficultés ne les ont pas épargnés ils ont tenu ferme et Dieu s'est manifesté de façon puissante de façon glorieuse dans leur vie alléluia chers frères et sœurs Dieu est un bon père Dieu est notre père et c'est un bon père en tant que tel, il a un plan merveilleux pour notre vie. Amen. Dieu a un plan merveilleux pour notre vie. Dans sa souveraineté, il peut permettre que nous puissions, comme je l'ai dit tantôt, passer par des chemins tortueux et faire face à des obstacles, à des oppositions, à l'instar même d'un certain nombre de personnages bibliques, notamment Joseph. Il ne faut jamais perdre espoir. Dieu est au contrôle dans tous les domaines de notre vie. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Dieu sait tout, Dieu voit tout et Dieu est capable de tout. Amen. Voyons maintenant le cas d'Abraham et de Sarah. Nous lisons dans Romains chapitre 4 à partir du verset 18. Il est dit par rapport à Abraham, espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Voici ce que la parole dit, de Dieu dit par rapport à Abraham. Au travers de ce passage, nous voyons... Qu'Abraham a été caractérisé par la foi. Il crut. Abraham crut par rapport à la promesse qui lui avait été faite. Et sans faiblir dans la foi. Et cela est très important. Nous devons croire par rapport à tout ce que Dieu nous dit, par rapport à ce que nous écoutons qui vient de la part de, la, de, la part de Dieu, qui est basé sur la parole de Dieu. Nous devons croire. Nous devons avoir la foi à l'instar d'Abraham. Abraham a été fortifié par la foi et il a donné gloire à Dieu parce qu'il a eu la pleine conviction que ce que Dieu promet, Dieu est capable de l'accomplir. Alléluia. C'est un très beau tableau. C'est réjouissant, c'est bien entendre. Ah, c'est un homme de foi. Abraham est un homme de foi, un homme qui a pleine confiance en Dieu, un homme qui ne doit pas. Mais revenons dans le livre de Genèse. Nous allons voir que Abraham a fait face à des obstacles, à des épreuves, a eu des difficultés. Ça n'a pas été facile pour lui. Amen. Ici, c'est comme une conclusion que Dieu donne, parce que la Bible est complète. On ne doit pas seulement se limiter à cela pour dire qu'Abraham, c'est vrai. La Bible le qualifie comme étant le père de la foi, et même il est cité dans Hébreux chapitre 11, parmi les héros de la foi. Cela est tout à fait normal. Mais Abraham a rencontré des épreuves dans sa vie, des difficultés dans sa vie. Dans Genèse euh, chapitre 12, Dieu a appelé Abraham lorsqu'il avait 75 ans. Dieu lui a dit de quitter son pays, de quitter sa patrie et sa famille pour aller dans un pays qu'il ne connaissait pas, que Dieu lui-même allait lui montrer. Et Dieu va lui faire des promesses, notamment celle de lui donner une grande nation, beaucoup d'enfants. Dieu allait rendre son nom grand et Abraham allait être une source de bénédiction. Abraham va obéir, il va s'en aller, il va prendre sa femme qui s'appelait Saraï, parce que son nom n'était pas encore changé en Sarah, Saraï, et puis leur neveu Lot. Et puis, au fil du temps, Abraham va se rendre compte effectivement que... Son besoin, ce besoin qui lui tenait à cœur, n'était pas comblé. Et même lorsqu'ils sont arrivés à Canaan, la Bible dit qu'une famille s'est abattue sur le territoire de Canaan, sur le pays. Et Abraham va fuir avec sa femme pour aller séjourner en Égypte. Ils arrivent en Égypte, il va faire même des compromissions pour dire à Pharaon que. Sa femme était sa sœur. Après, Abraham va retourner, n'est-ce pas, dans le pays du Canaan. Mais son problème demeurait toujours. Son problème n'était pas encore comblé. Parce qu'il voulait avoir un enfant, un héritier. Et il prenait de l'âge. Parce que c'est à 75 ans que Dieu l'a appelé. Il tendait vraiment vers la, vieille, vers la vieillesse. Et puis, au chapitre 16, sur la proposition de sa femme, Abraham va accepter d'aller avec leur servante à gare, Ce n'était pas dans le plan de Dieu. Mais Abraham va dévier le plan de Dieu. À cause de ce que son besoin n'était pas encore comblé, il prenait des lâches. Et sa femme aussi vous savez que c'est vrai que Dieu leur a fait une promesse, mais le besoin était toujours là. Les deux prenaient de l'âge. Et Abraham, malheureusement, va accepter la proposition de sa femme. Ismaël va venir. Et lorsque vous lisez au chapitre 17, Dieu va interpeller Abraham. Et Dieu va lui dire, Dieu va l'appeler pour dire, Abraham. Abraham, marche, je suis l'éternel, le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Parce que jusqu'alors, Abraham n'était pas encore intègre. Il vacillait. Il devient le plan de Dieu. Et Dieu lui dit Je suis le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu à qui tout est possible. Marche devant ma face. Ça dire marche dans ma présence et soit intègre. Et Abraham va dans cette école de Dieu, je dirais, va apprendre à mieux connaître Dieu. Qui est Dieu Le Dieu qu'il a appelé lorsqu'il avait 75 ans. Il va commencer à découvrir véritablement ce Dieu qui est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu à qui tout est possible. Et au, verset, au chapitre 21, Isaac va naître. Alléluia. Malgré le fait que Abraham était vieux et Sarah était vieille, mais Dieu, dans sa souveraineté, dans sa toute-puissance, va permettre que l'enfant qui leur a promis naisse Isaac. Et alors, lorsque Isaac est né, Abraham va découvrir effectivement que ce Dieu qu'il a appelé, dont il est le serviteur, tout lui est possible. C'est pourquoi, lorsque vous lisez le, le, le chapitre 22, Dieu va appeler Abraham pour tester sa foi. Comme je l'ai dit, les épreuves sont faites pour tester notre foi et pour, pour voir la manifestation de la toute-puissance de Dieu. Amen. Dieu appelle Abraham. Au chapitre 22, il dit, prends ton fils, parce qu'il avait déjà Ismaël, qui était le plus grand, et puis Isaac. Prends ton fils, celui que tu aimes, parce que Dieu savait que Abraham aimait véritablement Isaac, parce qu'il l'a conçu dans la vieillesse. Prends ton fils, celui que tu aimes, et va l'offrir en holocauste sur une des montagnes que je vais t'indiquer. Amen. Au chapitre 22. Abraham n'a pas hésité. Il a pris son fils effectivement pour aller tuer l'enfant. Ça, c'est la foi. Amen. Parce que la foi de Abraham a commencé à se développer, à atteindre une certaine dimension que Abraham était prêt à tout, même à tuer son enfant. Parce qu'il savait que même si tu es son enfant, qui était l'enfant que Dieu lui a promis, Dieu était capable de ressusciter l'enfant. Alléluia. Les épreuves font partie de la vie de tout homme de façon générale, et, mais particulièrement de la vie de l'enfant de Dieu que nous sommes. Donc, on ne doit pas fuir les épreuves. Chers frères et sœurs, je ne sais pas la situation dans laquelle, présentement, tu, tu te trouves. Et certainement vous qui nous écoutez, peut-être que vous êtes euh, en proie à vous êtes en face des montagnes, des défis, des difficultés. Vous ne savez que faire. Vous avez un problème de santé, problème de travail. Peu importe. Dans tous les cas, vous avez des épreuves, des, des obstacles devant vous. Ne perdez jamais courage. Ayez bon espoir. Que ce Dieu dont nous parlons et dont vous êtes le serviteur, il est le Dieu à qui tout est possible. Alléluia. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Il ne faut jamais se décourager. Et au chapitre 15, au chapitre 15, voici ce que Dieu va dire à Abraham. Il est dit, après ces événements, la parole de Dieu, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Alléluia. Voici la parole de réconfort, la parole d'encouragement que Dieu apporte à son serviteur Abraham. Ne crains point. Et Dieu ce matin te dit, de ne rien craindre, parce qu'il est ton Dieu, parce qu'il est avec toi. Ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Comme je l'ai dit, Abraham, dans ses échanges avec Dieu, il va révéler effectivement que il était un homme en proie à des doutes de l'incrédulité. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Dieu dit, ne crains point. Ta récompense sera grande. Je vais te bénir. Je vais faire de toi une grande nation. Je vais te donner un enfant. Et Abraham dit ici, Seigneur, que me donneras-tu Je m'en vais, je suis en train de vieillir et même je vais mourir sans enfant. Et puis, celui qui sera mon héritier, c'est Eliezer de Damas, mon serviteur. Comme la réalisation de la promesse de Dieu tardait, pour Abraham, l'adoption des serviteurs comme héritier mâle était la solution. Pour lui, la solution, c'est adopter Eliezer, prendre Eliezer comme héritier. Mais Eliezer, de n'était pas, ne devait pas être l'héritier de Abraham. Alors la parole de l'Éternel fut adressée. Abraham ainsi. Dieu lui dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Amen. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Oui, lorsque nous sommes en face des problèmes, des difficultés, on veut chercher bien souvent la solution facile, la voie la plus courte, et on veut dévier le plan de Dieu. Nous-mêmes, nous voulons faire notre propre plan et dire que c'est Dieu qui l'a fait. Mais non, il faut savoir attendre ce que Dieu t'a promis. Si tu dévis le plan de Dieu, tu dévis ce que Dieu t'a promis, les conséquences seront désastreuses. Tu ne pourras pas supporter les conséquences. Alléluia. Donc, Dieu vient lui dire... Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Au chapitre 17, partie du verset 15, Dieu va dire encore à Abraham, Dieu lui dit, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Sarah, mais ton, son nom sera Sarah. Dieu va changer son nom, le nom de Sarah en Sarah. Il dit, je la bénirai. Et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Signe d'adoration, c'est bien. Mais il devait s'arrêter là pour dire, « Oh Seigneur, oh je te loue. Merci pour cette promesse. C'est tellement à son temps qui va s'accomplir. » Parce que tu es le Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Mais voici la réaction d'Abraham, l'attitude d'Abraham. Abraham rit et dit en son cœur t il un fils à un homme de 100 ans Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle Il a dit ça dans son cœur. Mais Dieu connaît le cœur d'Abraham. Alléluia. Abraham dit Mais. Moi qui ai 100 ans et ma femme qui a 90 ans, est-ce qu'il nous est encore possible de pouvoir concevoir Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Abraham demande à Dieu que son fils Ismaël soit le bénéficiaire des promesses de Dieu, car il est pour lui impossible de pouvoir concevoir avec son enfant. Pour Abraham, la promesse de Dieu devait s'accomplir à travers Ismaël. Mais Ismaël, comme je l'ai dit, n'était pas dans le plan de Dieu. Ismaël n'était pas l'enfant que Dieu lui a promis. L'enfant que Dieu lui a promis devait sortir des entrailles de sa femme Sarah. Alléluia. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle je dis que Abraham était encore à l'école du Seigneur. Il devait apprendre beaucoup de Dieu. C'est pourquoi, lorsque nous avons lu notre texte de de Romain, il est parlé de la foi d'Abraham, parce que Abraham, dans sa marche avec le Seigneur, dans sa relation avec le Seigneur, c'est vrai, il a eu des hauts et des bas, mais il a il a appris à mieux connaître son Dieu. Alléluia. C'est vrai, devant les épreuves, on peut dire on peut dire certaines choses, on peut avoir certaines attitudes qui peuvent ne pas plaire au Seigneur, mais dans ces épreuves, on apprend beaucoup de Dieu. Ce que Dieu nous demande, c'est ne pas lâcher sa main. Alléluia. Donc, toi qui as des épreuves, toi qui as des difficultés, il faut prendre courage. Peu importe ce que tu peux penser. Mais Dieu me dit de te, te dit ce matin, ce qu'il t'a promis, en son temps, il va le réaliser. Qu'en est-il de Sarah Au chapitre 16, par rapport à Sarah, il est dit Sarah, Femme d'Abraham ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham Voici, l'éternel m'a rendu stérile. Viens, je t'ai pris, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Peut-être aurai-je à travers ma, ser ma servante Agar des enfants parce que Dieu m'a rendu Stérile. Et la Bible dit Malheureusement, Abraham écouta la voix de Sarah. Alors Sarah, femme d'Abraham, prit à l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité dix années dans le pays de Cana. Sarah eut le coup à la coutume la coutume de l'époque qui permettait à une femme stérile d'avoir un enfant par l'intermédiaire d'une de ses servantes. C'était leur coutume à l'époque. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Les coutumes sont là, les traditions sont là. Mais que dit la parole de Dieu? Sarah s'est appuyée sur leur coutume. qui voulait que qui disait que si tu es une femme stérile et que tu as une servante, alors ta servante peut faire des enfants et l'enfant sera ton enfant. Gardons-nous des coutumes qui sont en déphasage avec la parole de Dieu. Gardons-nous des coutumes, des traditions qui sont en désaccord avec la parole de Dieu. Alléluia. Au chapitre 18. À partir du verset 10, et Abraham va recevoir la visitation de trois personnes, qui est l'apparition de Dieu à Abraham. L'un d'entre eux dit à Abraham, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tante qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, tout comme son mari, maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs Et mon Seigneur aussi est vieux. Ça, c'est la manifestation de l'incrédulité. Sarah réagit. Avec la même incrédulité que son mari a eu au chapitre 17. Car convaincu qu'à leur âge, il leur était naturellement impossible d'avoir des enfants. Alléluia. Mais Dieu est fidèle, car Dieu veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Et comme je l'ai dit, lorsque vous lisez le chapitre 21, Dieu a accompli sa promesse. Sarah, Sarah a enfanté dans sa vieillesse. Abraham a enfanté dans sa vieillesse. Alléluia. Deuxième cas, il s'agit de Zacharie et d'Élisabeth. On le trouve cela dans le Nouveau Testament. Dans le chapitre 1, verset 5, il est dit, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et tous les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, à l'instar d'Abraham et de Sarah. Ils n'avaient pas, ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était aussi stérile, tout comme Sarah. Avant de concevoir, bien sûr, euh, Isaac. Et ils étaient, l'un et l'autre, avancés en âge. Tous deux, juste devant Dieu. Mais voici un problème. Voici un besoin. Pas d'enfant. Et cela leur tenait à cœur. Certainement qu'ils ont prié pour que Dieu leur fasse grâce pour que Dieu leur accorde un enfant. Mais il n'y avait pas d'enfant. Et il prenait de l'âge. Mais en ce qui concerne Élisabeth, euh, euh, elle était stérile. Donc, elle ne pouvait pas concevoir. Donc, à un moment donné, les deux n'espéraient plus. C'est pourquoi, au verset 13, lorsque Dieu va envoyer l'ange, c'est-à-dire l'ange Gabriel, pour lui dire, ne crains point. Oui. Dans nos problèmes, dans tes problèmes, dans tes difficultés, Dieu te dit, ne crains point. Ne crains point. Dieu, il sait de quoi il parle. Dieu te dit, ne crains point. Ne crains point, Zacharie. Car ta prière a été exaucée. Ta femme Elisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Certainement, comme je l'ai dit tantôt, les deux priaient. Ils priaient. Ils priaient. Mais ils ne voyaient pas la main de Dieu agir dans leur vie. Donc, ils ont été gagnés par le découragement. Ils étaient certainement déçus. Et au verset 18, Zacharie dit à l'ange À quoi reconnaîtrez je cela Car je suis vieux et ma femme est avancée. En âge c'est une expression qui met en évidence le doute de zacharie par rapport à la promesse que dieu lui a faite à travers l'ange à quoi reconnaître cela car je suis vieux et ma femme est avancée en âge pour dire que naturellement il est impossible pour nous de pouvoir Concevoir. Au verset du 9, l'ange lui répondit, « Je suis Gabriel et je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet. Tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en' leur Dieu m'a envoyé pour te parler, pour t'apporter une bonne nouvelle. Au lieu de bénir le Seigneur, au lieu de louer Dieu, au lieu de rendre grâce à Dieu, alors c'est le doute. Tu ne crois pas. Pourtant, c'est toi qui as prié. C'est toi qui as prié. Vous voyez, bien souvent, nous pouvons prier, prier, prier. Et puis après, on croise les bras, on tourne la page. Et quand le temps de Dieu arrive pour nous dire effectivement le sujet pour lequel tu as prié, la requête, je t'ai entendu, je t'exauce, on n'y croit pas. Est-ce que c'est véritablement vrai Est-ce que c'est réalisable Est-ce que cela peut se faire encore Est-ce que je peux être encore guéri Peut-être que tu souffres d'une maladie incurable et tu sais que Dieu est guéri. On a prié pour toi. Toi-même, tu as prié. Les frères et les sœurs t'ont soutenu dans la prière. Et ta maladie demeure. Et puis un jour, tu reçois une prophétie qui dit, ma fille ou mon fils, tu es guéri. Ou tu reçois une conviction intérieure par le Saint-Esprit pour te dire, tu es guéri. En disant la parole de Dieu, tu reçois une révélation pour dire, tu es guéri. Tu dis, non, parce que tu sens encore le mal. Les symptômes sont encore là. Chers frères et sœurs, ne doutons pas. C'est vrai, le doute, on dirait que c'est naturel. Mais appuyons-nous sur la parole de Dieu. Ne regardons pas aux réalités. Parce que les réalités n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, qui est la vérité. Jésus a dit Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se répentir. Ce que sa bouche déclare jamais capable de l'accomplir. Ne regardons pas nos réalités. Peu importe les réalités, tes réalités, appuie-toi sur la parole de Dieu. Au verset 24, la Bible dit, quelques temps après, Élisabeth, qui était vieille, Élisabeth, qui était stérile, elle est devenue enceinte. Quelle grâce. Dieu peut tout. Rien n'est impossible à Dieu. Nous savons un Dieu qui s'appelle « Je suis ». Rien n'est étonnant de sa part. Alléluia. Croyons en ce Dieu-là. Troisième cas, c'est Marc et Marie. Toujours dans le Nouveau Testament. Dans Jean chapitre 11, verset 1, il est dit il y avait un homme malade appelé Lazare de Bethanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignait de, de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent, envoyèrent dire à Jésus Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le, le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Oh, Jésus aimait Marthe et sa sœur Lazare. Alléluia. Ça peut sembler paradoxal, mais ce n'est pas paradoxal. Jésus aimait Lazare, aussi bien que Marthe et Marie. Et voilà, celui que Jésus aime est malade. On peut se poser la question. Est-ce que un chrétien, un croyant, un enfant de Dieu qui aime son Dieu peut tomber malade Bien sûr. Tu peux tomber malade. Ce n'est pas une fatalité. Tout comme moi, je peux tomber malade. Jésus aimait Lazare, pourtant Lazare est tombé malade. Alléluia. Et les sœurs ont envoyé dire à Jésus, c'est lui-même que tu aimes. La relation d'amitié entre Jésus et Lazare était une relation profonde. C'est pourquoi lui dit, celui que tu aimes, il est malade. Viens faire quelque chose. Alléluia. Donc si tu tombes malade, frère, soeur, ce n'est pas forcément parce que tu as péché, c'est naturel la maladie. Ça fait partie des épreuves. Ça fait partie des, des difficultés que nous pouvons connaître en tant qu'homme, en tant qu'humain. Alléluia. Et c'est ce que l'ami du Seigneur Jésus, Lazare, a expérimenté. Mais Jésus n'est pas parti, n'a pas répondu, à l'appel de ses sœurs, Jésus est resté là où il était. Et puis, malheureusement, le pire s'est produit. Lazare est mort. Mais qu'est-ce que Jésus va dire Jésus va dire aux envoyés de... de aux, Jésus va dire aux, aux, aux envoyés, cette maladie n'est point à la mort. Mais... Elle servira à faire éclater la gloire de Dieu. C'est le message que Jésus a adressé à, aux envoyés de Marthe et puis de Marie. Cette maladie n'est point à la mort parce qu'elle servira à glorifier le Seigneur. Dans certaines situations que nous traversons, Dieu veut se glorifier. Alléluia. Donc si Dieu s'est... Quelquefois, il n'agit pas, ne répond pas immédiatement à nos requêtes, il ne répond pas à nos prières, pas parce qu'il ne nous, nous entend pas. Mais quelquefois, Dieu attend ce que la situation pourrisse, et alors il vient se glorifier. Et quand il se glorifie, alors on reconnaît qu'effectivement, il est le, ce Dieu tout puissant, à qui tout est possible. Mais, Marthe et Marie vont pas comprendre cela. Au verset 20, lorsque Jésus s'est rendu là-bas, à Bethanie, il est dit au verset 20, lorsque Marthe, apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici. Mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Autrement dit, c'est parce que tu n'as pas été ici que mon frère est mort. Mais je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Ça c'est bien, c'est la foi. Il croit que, elle croit que Dieu est capable de tout et jésus lui dit ton frère ressuscitera elle dit elle répond en disant je sais lui répondit marthe qu'il aurait ressuscitera à la résurrection au dernier jour elle ne faisait pas allusion à la résurrection de lazare qui était mort et décomposé elle dit oui je sais que mon frère ressuscitera mais à la résurrection au dernier jour. Elle ne croyait pas que Jésus était capable de faire quelque chose dans l'immédiat, de ramener à la vie son frère qui était mort et décomposé. Pourtant, Marthe était l'ami intime, je dirais, de Jésus. Marthe connaissait en quelque sorte le Seigneur Jésus. Mais à l'instant précis, Marthe ne croyait pas. Qu'en est-il de Marie au verset 32? Disons, restons toujours avec notre soeur Marc. au verset 38 à 40, Jésus se rend, n'est-ce pas, au sépulcre. Là, ils ont, euh, ils ont enterré Lazare. Il dit, Ôtez la pierre. Max, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il, euh, il y a quatre jours qu'il est là. Il sent déjà. Pour dire qu'il n'y a plus rien à faire. Humainement parlant, ce n'est pas possible. Parce que quelqu'un qui est mort, qui est décomposé, qui est pourri, depuis quatre jours, qui sent... Qu'est-ce qu'on peut encore faire On ne peut plus rien faire. Matt ne croyait pas. Alléluia. Souvent, lorsque nous disons Jésus pleura, bien souvent on a l'impression que Jésus a pleuré à cause des sentiments profonds qu'il avait pour Lazare. Jésus a pleuré parce qu'il était humain. Souvent c'est comme ça qu'on comprend la chose. Mais moi je pense que Jésus pleura de l'incrédulité de Marte et même de Marie. Parce que c'est le même langage que Marie va tenir au verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Quelqu'un qui vous a dit, cette maladie... N'est point la mort, mais elle servira faire éclater la gloire de Dieu, afin que le fils de Dieu soit glorifié par elle. Elle devait s'en tenir à cette parole du Seigneur Jésus. Mais c'était la réalité qui était devant elle. Appuyons-nous sur la vérité. La vérité ne trahit jamais. Dieu. Il s'appuie toujours sur sa parole qui est la vérité. Au verset 43, on assiste à la résurrection de Lazare. Dieu est capable de ressusciter ta situation, même si elle est pourrie, à l'instar de Lazare. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Pour terminer, qu'est-ce que nous devons attendre? Qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant qu'enfants de Dieu et même vous qui nous occupez Qu'est-ce que Dieu attend de toi face aux obstacles, face aux épreuves, face à tes défis Qu'est-ce que Dieu attend de toi Ce que Dieu attend de toi, c'est Ce la manifestation de la foi. Ce que Dieu attend de toi, c'est de lui faire pleinement confiance. Dans Hébreux chapitre 11 verset 6, il est dit. Or, oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. On ne peut pas marcher avec Dieu toujours dans l'incrédulité, chers frères et sœurs. On ne peut pas bâtir une vie chrétienne victorieuse dans le doute, dans l'incrédulité. Il faut faire confiance au Seigneur. Même si les réalités sont là. Il faut faire confiance au Seigneur. Malgré le rapport des médecins qui dit qu'on ne peut plus rien faire par rapport à ton cas, cas de maladie, il faut faire confiance au Seigneur. Il faut appuyer sur sa parole. Donc, ce que Dieu attend de nous, c'est la foi. C'est par la foi que Dieu agit. Dieu ne fait rien si nous n'avons pas la foi. Deuxième chose, il faut compter sur son amour et sa fidélité. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas mauvais. Il veut notre bien. Donc, s'il permet que certaines situations demeurent, il sait pourquoi il le fait. Mais c'est pour notre bien. N'abandonne pas la main de Dieu pour aller chercher refuge ailleurs, solution ailleurs. Il faut rester toujours attaché au Seigneur. Dans Romains chapitre 2, verset 11, il est dit Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Si tu crois en Dieu, Dieu ne permettra pas que tu sois dans la confusion. Et dans Isaïe chapitre 49, verset 15, il est dit, une femme, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a à l'être N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles Quand elle l'oublierait, moi, l'Éternel, je ne l'oublierai point. Alléluia. Dieu ne l'oubliera jamais. Rien n'est étonnant de la part de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Et tout est possible au Seigneur, parce que nous avons un Dieu tout-puissant. Nous avons un Dieu capable. Alléluia. Par notre foi, avec la grâce de Dieu, nous pouvons déplacer des montagnes, quelles qu'elles soient, qui s'y dressent devant nous. Donc, c'est le message que Dieu m'a mis à cœur pour toi ce matin et pour vous tous qui nous écoutez. Gardez confiance. Ne perdez jamais courage, parce que Dieu, il est bon. Dieu, il est fidèle. Dieu fera quelque chose pour toi. Reste attaché à lui. Nous prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ta parole. Seigneur, c'est tellement que tu connais tes enfants qui passent par des moments difficiles, qui ont des difficultés, des épreuves dans leur vie. Seigneur notre Dieu ce matin d'infortifier leur foi. Donne-leur de pouvoir s'attacher à toi, de rester toujours dans ta présence. Qu'ils comprennent que tu ne les as pas abandonnés. Au moment opportun, tu feras quelque chose pour eux. Tu es un Dieu qui n'est jamais en retard ni en avance. Tu fais toutes choses bonnes en son temps. Et tout ce que tu fais est pour notre bien. Car ta parole déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.